Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment rechercher une photo dans l'application Photo de ton iPad. Donc, si tu vois ici à gauche, il y a déjà l'option Rechercher et j'appuie et je vais aller dans le haut taper ce que je cherche. Donc, par exemple, je pourrais chercher une trace écrite. Donc, je vais taper Écriture. Je sélectionne Écriture manuscrite dans les options suggérées et on voit que j'ai 8 photos qui contiennent de l'écriture, donc des traces ici écrites en photo. Il est également possible de rechercher des photos qui contiennent par exemple un cochon ou encore je pourrais changer le mot-clé et cette fois-ci mettre le mot eau. Donc voilà, on voit les photos qui contiennent de l'eau. Une fois que j'ai trouvé la photo que je cherche, par exemple le poisson ici, il est possible d'aller l'ajouter à un album en appuyant ici sur Partager. Puis dans le menu un peu plus bas, on va sélectionner Ajouter à l'album ou encore Ajouter à l'album partagé. Donc je sélectionne mon album et voilà, la photo se retrouve dans cet album. Une autre façon de retrouver rapidement une image, c'est d'ajouter un cœur pour la mettre dans nos favoris. Par exemple, si je désire rapidement retrouver cette trace pour la présenter aux élèves, je vais sélectionner le cœur ici pour que cette trace se retrouve dans mes favoris. Donc, on voit ici que j'appuie sur favoris et je vois mes traces que j'ai mises et je peux facilement les présenter aux élèves. Il suffit de retirer le cœur une fois que c'est fait. Voilà, c'était comment rechercher une photo dans l'application photo de ton iPad.